conditions, nous allons partir sur une Ève en diversity. Ève, commence avec deux cœurs rouges. War Babylon, le Dead Bird, une bonne vitesse, des stats pas enfin des stats de dégâts pas terribles. Tant qu'elle n'est pas War Babylon, quand elle est au War Babylon, elle commence à être très très forte. Et son War Babylon s'active quand elle a un cœur rouge ou moins. Et un peu mieux que les autres persos. Ils sont en diversity, donc diversity, ils vont commencer avec trois objets passifs, un objectif, un trinket en passif. Les deux auront la même chose et ça sera pris au hasard. Et dans les salles d'objets, ils ne pourront pas trouver le couteau Tech X et autres Epictetus, mais ils pourront trouver à la place Chrone of Light, Sacred Heart et autres Incubus. Bien, allez, je vais donc lancer la race. On va voir ce qu'il arrive à avoir. Encore? Ok. Eh bien, pour scénar, je pense que le jeu, super sympathique, redonne la Bottle of Pills. Et Sachant la qu'ils... fourchette aussi d'ailleurs. Et la fourchette, sérieusement. Et le proctosis. Et ils ont également le virus. Et... je sais plus le nom de l'autre objet. Zit, machin Ouais, truc. large zit. Qui fait une larme qui fait plutôt mal et qui ralentit de temps en temps. Pas si le trinket va pas les emmerder en fait. Vu comment il marche. C'est Judas Shadow chez Sénar. Scénar numéro 1 sur la Judas Shadow. Hein. Quand il vous dit qu'il aime un perso tel Lilith ou. Ah, il a bien géré son affaire, il a bien traversé la porte pour qu'on voit la salle de l'autre côté et réapparaître dans cette salle pour récupérer les deux cœurs bleus. On a une Judas Shadow Quel contre un Procto. professionnalisme. Ah, c'est bien joué, hein, c'est ce qu'il faut faire. Et celui qui n'aime pas Eve la garde. Alors, qui est dans son basement 2, la speedball avec, avec le sac, mystery sac, lui donner des objets mystères. Alors que Senna récupère Steven sur Steven, alors ça, pas mal. Il aurait pu avoir Little Steven, il a eu de la chance. Donc des dégâts. J'avais oublié que c'était possible. Eh oui, c'est possible sur Steven, d'avoir Steven. Et moi je retrouve son boss de cave 1. Scénar qui a trouvé... Boss de quoi? Basement 2, oui. De cave. Mister Dolly est trouvé et le boss c'est Krampus. Attends, il est... Sachant Il est où que là? Moucheron a Ah oui. trouvé Non, il est. encore. Il est à cave 1 là. Non, bah non, là il est Basement 2. Là il est cave 1. Ah ouais, non. Bah oui. Je sais pas pourquoi Bah j'avais ouais. l'impression. Et il a pris la tête de Krampus. Et il a reroll pour avoir Atamé. Et c'est plutôt cool. Scénar qui est sur son boss. Il vient de le tuer, qu'est-ce qu'il va prendre? Il reroll, le reroll est pas heureux, honnêtement, c'était bien mieux avant. Et il avance cave 1 lui aussi. Audit Caves, c'est moins cool. Beaucoup moins cool. Du cœur bien sûr sur le Atamé. Alors, je sais pas si Moucheron utilisera beaucoup Atamé, si dans ces salles-là il va l'utiliser forcément. Il y a beaucoup de chances de récupérer quand même des cœurs.
La Krampus est d'utiliser, mais n'importe comment. Il espérait qu'elle tourne, je pense. Eh bah, c'était pas le cas. Le rocher marqué. Ouais, et le boss, ça va être The Frail. Voit l'effet de l'argésite hein, quand ça touche. Encore du Tears Up. Ah, il est Tears Max, Mouchon. C'est excellent. Vu des versions françaises des Final Fantasy, ils ont été réédités sur Steam. Après, je sais pas si les versions sont vraiment bien ou pas. Mais il y a eu une réédition Aussi, sur c'est Steam fait par quoi, pour se faire arnaquer. prend pas le HP up, il prend un bombe sperle. Je pense qu'il espère les Angel Room. Peut-être, oui. Il y a un étage d'écart entre les deux et Sennar qui se tape un Ghost Baby nul. C'est encore plus carré que Brother Bobby, paraît-il. Mais le 7, faut prendre la traduction Néo Midgar. La Metal Plate, ça fait quoi déjà? Un Metal Plate, ça fait un cœur bleu et ça fait l'effet de je ne sais plus quoi. Ça réfléchit les larmes. Alors la marque, excellent. Le reroll Dark Matter, ça vient de aussi. plancer en Dark Matter, c'est excellent. Il y a des gros dégâts déjà, Moucheron. Hein. C'est une run Et plutôt avec très en bien. plus avec le Tiers Max. Ouais. Là, franchement. Une belle run, sachant que Sennar, bah, il est sur une petite vue à Shadow de l'ennui. Bah, il peut tomber sur un The Mind ou sur un Godhead encore qui pourrait le sauver. Chocolate milk. Oh là là. Chez Moucheron. C'est un C'est joueur. la fête hein, chez Moucheron. Hein. C'est vraiment la fête. Hein. Ça va très fort même. Ah, le halo, c'est bien le halo, mais ça fait chier de le prendre. Bon, après, est-ce qu'il en avait Et vraiment du coup, besoin? c'est C'est pas un bon pied sûr. sûr, ça. Alors, Angel Room chez Sennar. Ah, il va espérer avoir un truc craqué parce qu'il en a besoin là. Pour essayer de revenir, il va lui falloir vraiment quelque chose de très fort. Hein. Là, il accumule le retard. Eh ben, dommage, j'ai envie de dire. C'est rien. Il prend qu'à le plier. Est-ce qu'il va le void? Ah, il a récupéré la Goated. À l'appel chez Moucheron, il va la prendre. Et reroll, c'est de la merde. Bon, il a une pelle, il va aller voir le boss rush. Mais il a une vue d'achat Le dans Blood of the l'arc. Martyr qui est pas forcément essentiel. Et il va avancer Womb 1 puis Womb 2 pendant que Sennar est sur son boss de Depswan et qu'il a un Devil Deal avec Death Touch. Et il ne reroll pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Grand mystère de la vie.
Shadow à l'envers qui carry, bien sûr. Meilleur objet. Alors, j'avance un peu en mode c'est la fête, c'est easy. C'est Nar qui avance aussi là du coup, hein. Avance bien là. Les mouchons qui trouvent le boss, Des Esnesnevix. il a quand même 2 étages d'avance. Ah ouais, il a 2 étages d'avance. Alors évidemment là, il y a... Celle s'est pris et le reste merde. Les mouchons qui avancent en cathédrale alors que Nar vient de voir la Crystal Ball qui ne peut pas prendre dans le boss rush. C'est bien dommage. Et bon, il y a 2 étages d'écart entre les deux. Je ne vois pas trop comment Senar pourrait revenir. À part Il n'y aura pas de faire un carte de toute mapping façon. Il n'y aura pas de carte de craqué. TP de toute façon. Enfin, s'il a un mapping craqué et que Mouchon a Ah, je vois pas que comment. fait Oui, voilà, tout le mais. full clear. Et le problème, c'est voilà, c'est au pif maintenant. Parce qu'il n'y aura pas de carte de mapping, il n'y aura pas de carte de TP, il n'y aura rien. Grâce à la Il y a des Bottle of télépiles. Pills. Il y a des télépiles aussi, hein. À la gueule, il y a de la télépile, ouais. Alors, c'est vraiment la seule solution, hein. Il faut vraiment avoir du bol. Télépiste du pif qui est Une vraiment le pif. télépise du pif. À l'aéroroom, bien sûr. Ouais, Ça arrive à tout le monde. Je crois que ça m'est jamais arrivé pour de vrai. alors, Isaac pour Moucheron et Conquest pour Sénar. Il a toujours pas utilisé son Void d'ailleurs, il l'a pris, mais. Tu l'as pris pour le Pour l'instant, il a prendre. servi à rien. Alors, Duality. Non, bah non, il va rien prendre, il a plus que 3 coeurs et demi. Il a Void le cheval. Oui. Pourquoi, mais... Pourquoi pas? Alors, prends la Datsuki. Permettre de se barrer de certaines Non, salles, comme non, il c'est bon. peut faire, par exemple. Là, c'est gagné du coup. Avec le nombre de cœurs qu'il a et le Il peut plus build être qu'il a, arbitré du tout. surtout, garantir. Garantie. Narki, les pilules. Il a même le temps de ramasser les pièces. Pas le bon chemin. Ouais, il va trouver son Blue Baby. C'est parti. C'est parti, c'est gratuit, hein. Et voilà, c'est terminé en 12-47 sur une run encore excellente. Sénar qui était sur une run un peu moins bien quand même. Ah bon, voulez-vous, hein. Le start du C'est Death vrai Shadow, qu'il c'est pas ouf, hein. Allez, je démute. surtout sur F, c'est pas incroyable. Allô? Allô. Ouais. Heureux. Bon bah voilà, hein, c'est la victoire de Moucheron sur encore une belle run. C'est tellement bien, F. Je sais pas pourquoi je m'obstine encore à prendre la Judas Shadow. Et Judas Shadow sur F, c'est tellement la pire idée du C'est monde. tellement ça. C'est tellement le dernier perso, faut prendre ce starter. Ah non, pourquoi?
Mais Eve de base, c'est limite mieux que Judas Shadow, tellement il est bien le perso. Non. Ça t'impose si fort en tout cas. Hein. Et ça va plus vite. Hein. Bah oui, clairement. En War Babylon, tu t'as autant de puissance qu'un Judas Shadow et tu vas plus vite. Bah, t'as le War of Babylon de toute façon avec Judas. Oui, d'accord, mais... Je veux dire, pourquoi prendre un perso qui est légèrement plus puissant alors que tu peux avoir même le starter le plus nul possible, le Cricket Said, c'est excellent, tu rêves. C'est vrai. Bah toi, t'as eu Propto, donc après... Je vois pas le problème, en fait, avec le fait que Judas Shadow, de toute façon, t'as War of Babylon avec. Le problème, c'est que Judas Shadow, ça passe tes dégâts, ça les augmente un tout petit peu, alors qu'une Cricket Said, ça... Bah, ça les multiplie par deux, quoi. Non, voilà. Non, ça multiplie par deux par rapport à Isaac, pas par rapport à Eve. C'est ça, le truc. C'est un multiplicateur. Eve a déjà un multiplicateur élevé. Eh oui... Bah mais après, peu importe, hein, après, quand on voit ce qu'il y a eu derrière, bon, Moucheron, il a eu la fête à la maison. Bah, quand j'ai vu Chocolate Milk, j'ai dit GG easy, quoi. Bah, déjà avant, c'était pas mal, hein. Déjà avant le Chocolate Milk, je trouve que c'était plutôt pas mal, hein. Que bon, Tears Max, le Atamé, les dégâts, t'avais tout ce qu'il fallait. Non, Judas Shadow, c'est pas juste par rapport à Isaac, c'est pas juste de 7 à 3, c'est bien dégâts x2, on est d'accord. Non, c'est dégâts x2 par rapport à multiplicateur du personnage qui est x2. Si tu passes de Judas à Black Judas, tu passes à multiplicateur. Judas, c'est 7, hein. Judas, c'est 7, quel que soit le perso. Hein. Quel que soit le perso avant, Judas, c'est 7. Hein. Ben, oui, oui, oui. Mais c'est tous les dégâts multipliés par 2. Si tu joues Isaac, si tu joues Cain ou Judas, non. Ben, si. Non, par rapport à Kane, ça sera pas... Explique-moi les 19 de dégâts. Bah, parce que Eve a un multiplicateur 1, donc tu l'as, c'est x2. Mais je dis, voilà, c'est... Oh là là. Mais non. Mais je... avec ce que j'ai eu là... Attends, j'ai eu quoi? J'ai eu Deathstodge, j'ai eu la mythe. Avec tout ce que j'ai eu, j'aurais jamais pu passer de 7 à 19 si c'était pas du x2. Mais d'accord. Si, mais c'est du x2, c'est bon. Oui, voilà. Mais... x2, mais pas par rapport à n'importe quel personne. Si, tout... Tous les damage jobs sont augmentés, mais sont multipliés par 2, on est d'accord. Par rapport à Isaac. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Par rapport à Eve ou un autre, c'est multiplié par un peu moins, vu que c'est des persos qui ont des meilleurs multiplicateurs que Isaac, eux aussi. J'ai jeté un froid avec cette phrase. Non mais en fait je vois pas en quoi c'est un problème de prendre Judas Shadow avec Eve, quoi. Bah, c'est juste que tous les autres starters sont mieux. C'est juste l'intérêt est pas énorme, quoi. L'intérêt est pas énorme. Bah t'as les dégâts x2, quoi. T'as les dégâts x2, sauf que voilà, j'ai pas eu de tier raid, j'ai rien eu, voilà. Donc au final, dégâts x2 ou pas, c'était de la merde et voilà, on en finit là, quoi. Ah oui. Ah, c'est de la merde. Allez. Ben si, c'était un petit peu de la merde. Là, bon, j'ai récupéré la brime. Et voilà, c'est rigolo, mais la brime, elle est toujours avec son tirail de base, quoi. Ah non, non, elle est pas avec son tirail de base. Oui, ben, je sais pas ce que j'ai eu, alors. Death Touch. Oui, oui, voilà, en plus. À partir du moment où t'as Death Touch, t'as pas le tirail de base. Hein. Oui. Ouais, mais pas dans le bon sens. J'ai pas dit que c'était mieux, hein. J'ai dit que t'avais pas le tier raid de base. C'est pour ça que je me disais aussi, attends, j'ai eu un tears up, bah non. J'ai eu un tears down. Voilà. Non mais voilà. Ah mais c'est bien, je fais des bonnes runs ces temps-ci, voilà, c'est cool. Je fais des bonnes runs avec des runs pas du tout craqués en phase, voilà. Voilà, Moucheron, les runs elles étaient bien, quoi. Oh, celle de The Lost, coup-ci, coup-ça. Oh, ça allait. Bon, après, c'est sûr que si ton adversaire s'était pas foiré comme une merde, t'aurais peut-être pas gagné. Mais... Après. Là, là. Bon, du coup, classement, il est où? Hop. Sénart, t'es où ton... Au milieu, à peu près, je c'est pense. C'est
à peu près. C'est ce que je dis depuis des jours et des jours, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça continue de baisser. Pour l'instant, il est toujours à peu près au milieu. J'avais bien démarré cette saison, quoi, mais. Oui, mais bon, les saisons, c'est long. C'est long et j'ai des runs complètement pétés en face, voilà. Ça arrive. Et quand j'ai pu gagner, ben évidemment, il y a une empereur. N'est-ce pas Black Cyril? Ah bah là, vous étiez sûr de pas voir l'empereur. Hein. Vous étiez sûr de pas voir l'empereur ni le mapping, hein. Ça c'était sûr. Deux fois de suite quand même, hein, Diversity. Avec moi. Même les pilules, il y avait rien d'intéressant. C'était même pas des pilules négatives, quoi. C'était genre, voilà, le caca explosif, machin. C'était de la merde, voilà. Alors ça marche comment la fourchette déjà? Quand je l'ai vu, j'ai eu super peur et puis au final, j'ai jamais vu mes cœurs rouges se soigner. C'est ça, je sais pas exactement comment il marche. J'ai regardé le wiki. C'est quand que ça te soigne ce truc? Non, ça fait 10% pas peur des cœurs rouges. Tu gagnes un demi-cœur en clearant une salle, en finissant Eh bah putain, ça marche pas souvent les 10%. Je suis resté longtemps à demi-cœur. Hein. Et tant mieux. D'ailleurs, j'ai. Oh, ah bah ce moment-là, j'ai fait exprès de me faire toucher pour mettre un demi-cœur, justement pour prévoir un proc de la fourchette. Mmh. Et j'ai eu de la chance, ça m'a donné un cœur noir avec le virus. Donc tant mieux. Mmh.